On est mercredi, on se retrouve pour un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. D'ailleurs, ce petit make-up hein, qui est très 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 joli, je suis ravie de cette petite association. Je vous le mettrai dans une vidéo spéciale, une semaine make-up avec moi. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je pense que ça va être très galère. Oui, j'arrive, ma chérie. Donc, mais je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle semaine ensemble. Aujourd'hui, justement, un vlog va sortir en ligne exceptionnellement un mercredi. C'était exceptionnel, après je pense que je reprendrai mon rythme normal parce que j'avais fait une vidéo maîtresse et du coup c'est un peu décalé. D'ailleurs, je vais essayer aujourd'hui de vous faire une vidéo maîtresse, ou en tout cas cette semaine de vous faire une vidéo maîtresse, une nouvelle vidéo pour ma série de vidéos. J'ai ma petite veste aujourd'hui, ronde et jolie, qui est juste sublime. Je suis ravie de la ressortir avec les beaux jours qui arrivent. Et j'ai mis mes petites chaussures qui est mon cadeau de fête des mères. Je vous montre ça. J'ai reçu aussi 3 colis, donc je vais essayer de vous montrer ça cet après-midi quand je serai un petit peu plus tranquille. Et voici mes belles chaussures. Comment je suis happy. Elles sont juste magnifiques. Hein, oui, oui. Voilà. J'ai enfin sorti mes petites baskets Superstar. Bon, je vous retrouve dans mon bureau pour ouvrir mes petits colis. J'ai pré-ouvert un des colis déjà. Le petit rouge à lèvres que j'ai, c'est un Kiko. Là, vous savez, je vous l'ai montré dans une de mes dernières vidéos haul Primark, qui est tout pailleté. Il est juste sublime, je l'adore. Il est hyper confortable. Bon, après, il tient pas 10 ans, mais honnêtement, il a tenu au moins déjà 4 heures. Et là, j'en ai remis un petit coup, donc vraiment bien. Donc là, c'est un premier colis de 2 abonnés, Christine et Laura. Si vous passez par ici, déjà, je vous remercie d'avance. Je les ai déjà rencontrées plusieurs fois, je ne sais plus combien de fois, mais plusieurs fois. C'est des filles adorables. J'espère les revoir sur l'île quand elles viendront dans le coin. Je sais qu'elles peuvent venir de temps en temps. Et du coup, elles m'ont dit qu'elles voulaient m'envoyer un petit truc, mais moi, je pensais une petite carte. Hein. Je crois que mes abonnés, en fait, elles essayent de m'arnaquer. Hein. Donc, il y a une petite carte et je vois qu'il y a des petits cadeaux. Oh, alors oui, Christine, elle a un Facebook, mais il y a trop de cadeaux. C'est encore une sorte de mini-stop, tout ça. Mais les filles, ça va pas du tout. Hein. Ça va pas du tout. Hein. Donc je vais d'abord lire la petite carte. Et oui, Christine qui est donc la maman, et Laura sa fille. Elles sont d'ailleurs trop trop belles toutes les deux. J'aimerais tellement avoir une relation comme ça avec ma fille plus tard. Bah, j'espère que ça sera le cas. Hein. Et du coup Christine, elle est aussi créatrice de bijoux. Donc là elle m'a envoyé un petit bijou pour lire. Oh c'est trop mignon. Oh. Alors en plus c'est personnalisé parce qu'elle a mis une petite fille, un petit garçon avec et un petit cœur avec un bébé, enfin des pieds de bébé. Oh là, je vous montre ça. Mais juste trop mignon. Donc, Oral, Kezia et Kayla. Et c'est un marque-page, hein, si je ne me trompe pas. Il est trop beau. Donc, elle fait des jolies créations comme ça, que ce soit des bijoux, des boucles d'oreilles, etc. Moi, j'en avais déjà. Elle m'en avait déjà envoyé deux, des petits bracelets. Et je lui avais commandé un collier aussi. C'est vrai que je le mets de temps en temps, mais pas forcément en vidéo. Je ne le dis pas forcément. J'oublie. Je me dis que dans mes vidéos, ça vous intéresse peut-être pas, mais de savoir tout ce que je porte, même si je porte pas beaucoup de bijoux. Donc voilà, elle m'a fait une petite carte comme ça, trop mignonne, pour me féliciter. Trop chou leurs petits mots. Donc ça, c'est la petite carte faite par Laura. Et elle me dit, donc ça, c'est bien fait main, je m'en doutais bien, que ce sont des bijoux, enfin, c'est en argent, mais sans plomb et sans nickel. Ça reste quand même de la fantaisie, donc trop bien, donc c'est parfait. Et les petits cadeaux, oh là là, merci les filles, vraiment vous êtes adorables. Donc bah, on va tout de suite regarder. C'est vraiment pour me féliciter de la naissance de Kezia. Elles ont rencontré mes deux autres enfants, donc bah, j'ai hâte les filles que vous rencontriez aussi le troisième. Oh, j'ai du mal à parler. Waouh, il va être beau gosse avec ça, regardez-moi, ça est trop beau. Et c'est trop mignon comme style, même mon chéri va adorer. Donc ça vient de chez Zeman. Alors c'est marrant parce que j'ai fait un post en plus sur Instagram en disant que les fringues chez Zeman étaient assez étonnants. On m'a offert un petit pull aussi de chez Zeman avec un petit jean et je trouvais le style trop mignon. Donc là bah, trop mignon aussi, un petit sweat comme ça un peu veste et un petit pantalon jogging un peu militaire, c'est trop mignon. Mais j'ai pas du tout ça avec les petites poches ici là. Il va être trop craquant là-dedans. Bah écoutez les filles, j'espère que vous le verrez dedans. Vous avez même fait un cadeau pour Oussoufi quoi. Non mais sérieux, alors ça je vais le laisser de côté et tout à l'heure je vais le forcer à l'ouvrir en vidéo. Bon, il voudra pas montrer sa tête mais je filmerai ses mains et sa réaction du coup. Ça. Kayla ma chérie, viens. Kayla, il y a un petit cadeau pour Kayla et un petit cadeau pour Oran. Donc oh, je vais ouvrir celui d'Oran parce qu'il est pas là. Et Kayla va venir. Oui mais viens 2 secondes ouvrir ton petit cadeau ma chérie. Attends. Trop bien pour monsieur Oran, un petit puzzle comme ça. C'est pour moi? Non, ça c'est pour Oran, ma chérie. Il y a 4 puzzles en un comme ça. C'est trop bien ça. Super. Et toi, il est là ton petit cadeau? Ça? Ouais, vas-y. Alors, qu'est-ce que c'est pour toi, ma chérie? Oh là là.
Alors, qu'est-ce que c'est? Fais voir. C'est des papillons que je dessine. C'est des papillons, c'est des petites filles avec des ailes comme ça que tu as grattées pour enlever et faire plein de couleurs. Ah, ça, c'est trop bien, tu vas adorer faire ça. C'est super. Tu vas essayer tout à l'heure? Oui? Ok, super. Honnêtement, c'est trop mignon d'avoir pensé à toute la petite famille, que ce soit mes enfants, même le chéri quoi, même le chéri. Et du coup moi, avec ce petit cadeau personnalisé, donc ça me force vraiment à me remettre à la lecture et pouvoir l'utiliser. Donc merci vraiment du fond du cœur, Lucie. C'est juste adorable. Et bon, on verra si Papounet veut bien ouvrir ça tout à l'heure. Je vous répondrai bien sûr très prochainement. J'essaierai de vous préparer un petit collier à toutes les deux aussi. Ou si je peux pas, ou si j'ai pas le temps, j'espère vous voir en tout cas très prochainement. Le deuxième colis, ça vient aussi de Sandrine en fait, qui est une fille que je suis sur Instagram, parce qu'elle a un Instagram un peu plus cuisine, et elle a une chaîne YouTube aussi où elle parle un peu beauté et cuisine. C'est Sandy Cook, mais de toute façon je vous mettrai en barre d'infos parce que je suis nulle pour mémoriser les chaînes YouTube en fait. Et du coup j'ai gagné un concours sur Instagram, un petit concours, une petite box panda. Je me suis dit, ah bah tiens, si ça plaira à Oran, alors il y a des produits de beauté dedans, mais la boîte plaira à Oran parce qu'il aime bien les pandas, si vous avez suivi. Du coup je me suis dit, bah voilà, c'est trop cool et tout. Et donc elle m'a dit qu'elle me l'avait envoyé mais qu'elle avait rajouté des choses. Alors je vois pas pourquoi elle a rajouté des choses. Hein, Sandrine? Je ne sais pas si tu passeras par ici. Je ne sais pas du tout si tu regardes ma chaîne YouTube d'ailleurs, ou si tu me suis que sur Instagram. Mais allons-y, ouvrons le paquet. Alors, elle m'a mis la petite carte comme ça avec voyez la vie en rose gold. Ça doit être de la carte de la Beautiful Box, parce que c'était une Beautiful Box qu'elle faisait gagner. Donc elle est là, sa Beautiful Box. Elle est trop mignonne comme ça en panda. Donc c'est trop cool. Elle est trop belle hein, quand même, la box. Vraiment trop sympa. Donc c'est la Beautiful Box by Au Féminin. Et à l'intérieur, il y avait plein de petits produits panda comme ça. Donc Mélanie, un petit clin d'œil pour toi. Hein. Un petit masque pour les cheveux. Donc ça, c'est cool. Il y a mes cheveux qui sont en train de se barrer d'ailleurs. Hein. Le petit masque panda. Donc ça, je pense que je le ferai avec... je sais pas trop si ça peut aller sur mon fils, mais bon, je verrai. En tout cas, il va être ravi de la petite boîte. La petite boîte, comme la petite feuille. Il y a une petite palette à sourcils, je crois, parce qu'il y a le petit goupillon avec le petit crayon goupillon et un nettoyant pour les pinceaux comme ça. Donc ça, j'en ai déjà un, je crois. Je testerai celui-là, pourquoi pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé trop mignonne cette petite box. Voilà, j'ai postulé et j'ai gagné. Donc ça m'arrive rarement de gagner des concours. Enfin, même si là, ça fait deux fois de suite quand même. Hein. C'est assez étonnant. Elle a glissé dedans un petit cadeau pour mon fils. C'est des petits livres. Non, c'est pour Kezia, regardez-moi, c'est trop mignon, des petits livres comme ça. Ah non, c'est pas des petits livres, c'est pas du tout des petits livres, n'importe quoi. Ah si, 4 petits livres tissus autour du thème des animaux à nous et ensemble pour faire un joli panneau dans le lit de bébé. Bah ça, c'est trop mignon, trop sympa. Bah ça va être cool, oh, trop bien. Alors j'adore parce qu'ils étaient obligés de mettre un bébé tout nu quoi. Non, c'est trop cool. Bah ça, c'est super, super gentil, merci Sandrine, vraiment trop adorable. Et alors elle m'a glissé une autre box, ah c'est peut-être ça. C'est peut-être ça qui va avec ça. Donc tu m'as mis une deuxième box en cadeau quoi. Alors d'ailleurs la trousse, elle est trop craquante comme ça. Regardez, c'est une trousse flamant rose comme ça, trop mignonne. Mais il y a trop de choses là. Pourquoi tu m'as envoyé ça? De la marque Sampar, un produit brume hydratante légère, rafraîchit, tonifie et fixe le maquillage. Trop bien. Alors je connais un petit peu la marque Sampar, mais je connais pas ce produit là. Donc c'est trop cool. Mais il fallait pas me gâter autant. Un petit pinceau kabuki visage comme ça dans une de la marque Beautiful Box. Beautiful Box. Oh, il est trop mignon. Petit kabuki comme ça, trop cool. Tout design. Elle a mis le Bang Beauty Blush, un petit blush qui était, je pense, dans la box. Du coup, ça doit être une autre box. Mais fallait vraiment pas me faire gagner deux box quoi, du coup. Oh, il est trop beau comme blush. C'est un petit blush comme ça, pêche léger. Trop beau. J'ai hâte de tester ça, c'est cool. J'aime bien les blushs de cette couleur-là. Et à l'intérieur, on a un rouge à lèvres mat liquide de la marque Awa Makeup. Je ne connais pas, qui est une jolie couleur un peu marron, là, comme ça. Un peu terre marron. C'est ce que j'aime bien en ce moment. Et un diamond dust. Donc, on dirait de la marque Manakadar, je ne connais pas. Qui a l'air un peu un rose gold métallisé. Trop cool. Et donc, je pense que oui, effectivement, le papier, là, ça doit être pour ça. Voyez la vie en rose gold, du coup ils ont tout favorisé en rose gold. Bah, excusez-moi, le blush c'est pas rose gold, hein. Pour moi c'est plus un pêche. Mais très sympa, on va dire voyez la vie en rose quoi, ils ont mis que des produits un peu roses et tout. Très sympa cette box d'ailleurs, hein. Faudrait peut-être que je
que je ziote un peu cette petite box de plus près, hein, parce qu'elle est vraiment sympa. Et Sandrine, merci du fond du cœur pour tous ces petits cadeaux. Mais vraiment, les filles, là, vous êtes juste des malades. Hein. Des malades. En tout cas, merci du fond du cœur. Je vais m'empresser tout de suite d'aller vous remercier sur Instagram ou vous envoyer des petits messages. Et voilà, ça me touche énormément, que ce soit des cadeaux, mais c'est surtout vos messages au quotidien qui me touchent. Et il y en a beaucoup qui me posent la question, d'ailleurs, ça va être l'instant blabla, qui me posent la question comment je fais pour m'organiser, etc. Vous avez vu, ma fille, elle est là, elle est en train de jouer dans sa chambre, donc ça va, quand elle est là, elle est adorable, quand il n'y a pas son frère. Kezia, il fait dodo, et quand c'est des moments comme ça, j'en profite. Je fais très très peu la sieste, vraiment jamais, quasi. Je dors très peu la nuit, en fait, en ce moment, puisque bébé me réveille assez souvent. Mais je vous avoue que j'ai la forme, j'ai du tonus, ça va, j'ai la pêche, mon bras va beaucoup mieux, on m'a enlevé mes points de suture, etc. Donc ça va beaucoup beaucoup mieux. Donc moi j'essaye de positiver et je tiens le coup. C'est vrai que quand vraiment j'ai un gros coup de fatigue et tout, bah, c'est au moment où papa arrive et c'est à lui de prendre le relais quoi. Mais ça arrive assez rarement. Oui. Donc comme je vous disais, j'essaye de m'organiser au maximum, de faire bien sûr il y a des trucs que j'ai pas le temps de faire. Hein. Mon bureau là, je suis en train de le réorganiser, ça fait genre 10 ans que je vous dis ça, mais j'essaye. Pour vous préparer des futures vidéos maîtresses, j'essaye aussi de trouver des idées, j'essaye de m'organiser aussi pour savoir à quel moment filmer. Enfin, voilà. J'essaye de faire un maximum de choses, mais c'est vrai que c'est pas tous les jours facile. Et les jours où j'ai pas envie, je filme pas, les jours où j'ai pas envie, je fais rien, ça m'arrive rarement, mais voilà. Donc voilà, en tout cas, merci du fond du cœur. Et ah oui, j'oublie de préciser, mais à chaque fois, vos commentaires, que ce soit sur YouTube ou Instagram ou Facebook, vraiment me touchent énormément. Et c'est ça qui me booste aussi au quotidien. Je vis pas de ma chaîne YouTube, voilà, j'aime bien tous ces partages en fait. Et vos messages sont vraiment ultra ultra importants, parce que bah, ça me booste, ouais, ça me booste au quotidien. Je vous avoue que quand j'ai une vidéo qui marche un peu moins, qui a moins de vues, mais quand je vois les commentaires et tout, bah ça me fait toujours plaisir. Quand je me dis quand même qu'il y a moins de vues, ça me fait un petit coup quand même. C'est vrai que c'est assez dingue à quel point ça peut jouer sur le moral, les vues YouTube ou les commentaires. Quand j'ai des vidéos où il y a très peu de commentaires, ça me... Alors là, vous imaginez même pas mon état. Je suis en mode, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont où? Donc voilà, vous êtes un peu mes copines. Et en plus, moi qui ai déménagé dans le Nord, j'ai pas 50 milliards de copines ici, j'ai pas je peux pas aller voir mes vrais amis comme ça, parce que bah, elles sont loin. Donc c'est un peu mon réconfort de vous avoir au quotidien. Donc voilà, je voulais vous remercier du fond du cœur dans ce petit moment émotion. Bref, je m'arrête là, je vais m'empresser d'aller continuer de m'occuper de mes loulous, et puis on se retrouvera pour la dégusta box tout à l'heure, je pense. Et pour le cadeau pour chérie, hein, pour qu'il ouvre son cadeau aussi. Ça va raconter. Et voilà, ma fille, elle n'a pas attendu que je puisse donner à Papounet son cadeau. Donc j'ai pas pu le filmer, hein, à cause de Madame Bêtise. Mais il a eu un beau cadeau, hein. Mon chéri, t'es content? Oui. Oui, il a dit oui. Bah, des chocolats, donc oui, bah, c'est trop 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 cool. Hein. Merci les filles. Jeudi avec ma tête de no make-up, puisque ce matin j'ai absolument rien eu le temps de faire. Cette nuit j'ai eu une nuit un peu chaotique avec mon crapouillot qui nous a réveillé pas mal de fois et tout et tout et tout. Honnêtement je suis claquée. Donc voilà pour cette journée qui commence. Hier soir quand même avec chérie on a été faire 2-3 courses, et il y a une de mes abonnées qui m'avait dit qu'elle était accro au latte macchiato. Du coup j'ai acheté pour tester, puisque moi je suis devenue accro, et ça je vous l'ai dit je crois dans un de mes vlogs ou je sais plus où, cappuccino de Dolce Gusto. En fait je sais pas pourquoi j'adore, c'est mon petit kiff du jour quoi. Donc bah aujourd'hui je vais goûter l'autre pour voir, et puis je vais vous ouvrir la dégusta box, comme ça je vais pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur, parce que j'ai hâte. Et puis honnêtement, pardonnez ma tête, mais demain sera un meilleur jour, je l'espère. Au niveau de la dégusta box, elle se présente toujours comme ça, toujours bien emballée. Allez, on l'ouvre. Alors quel est le thème de ce mois-ci? Il y a toujours des petites réduques et tout. Alors, où est-ce qu'il y a ce petit thème? Il est là. Comme un chef. Ah, donc cool, il va y avoir des petits ingrédients, je pense, pour cuisiner à la maison. Donc, trop trop sympa. Et un petit livre, un mini livre de recettes, là, qui va avec sûrement un ingrédient qu'on a. Et une petite réduction jaquée. Ah, pas mal, des bretzels aux 4 graines. Bon, moi, j'adore les bretzels. Ça, c'est cool. Ah, on en a un autre.
Regardez, trop mignon le packaging. Bon, bah comme je viens de vous le dire, hein, j'adore les bretzels. Donc un deuxième paquet, c'est encore mieux. Je vois qu'on a des produits de la marque Old El Paso, burritos, donc mélange aux épices pour pouvoir faire des burritos. C'est cool, mais après, faut voir ce qui nous manque hein, pour faire ça, pourquoi pas. Les fameux pains jaquets pour faire des burgers, ça c'est trop cool. Bah du coup, si j'avais su, j'aurais acheté des gros steaks pour faire des burgers. Mais je crois que j'en ai au congèle, donc au pire, on fera avec ça. Ça peut être sympa pour le week-end. Alors ça, des graines de chef pour saupoudrer les salades, je pense, ou les soupes. C'est sympa, ça. Voilà, ça coule en revanche. Ah oui, c'est un peu ouvert. Un peu été destroy dans le paquet, mais il y a plusieurs types de graines à l'intérieur. On dirait des graines de courge, des baies de goji. Je pense que voilà, il y a pas mal de petites choses à l'intérieur. Je crois qu'on a de la marque Vitabio, des petites compotes comme ça. Moi, j'adore. Celle-là, je les garde pour moi, mais sinon, je les partage aussi avec mes enfants quand il y en a. Ah, bah il y a d'autres graines là encore, regardez. Ah, celui-là est complètement destroy aussi. Hein. Dis donc, les paquets, ils ont un petit peu morflé hein, dans le transport. Mais celui-ci, c'est d'autres petites graines aussi. C'est cool et ils vous proposent des recettes et tout avec des cakes, hein, c'est pas mal. Donc ça, je valide, les Vitabio, c'est top. Ah, des princes, mais en plus hier j'ai acheté des petits gâteaux. Ah bah c'est cool ça les princes, bon, bah, pour mes enfants c'est parfait, hein, ça c'est top top top, un petit sachet comme ça, c'est cool. Ah, trop rigolo. Pour du coup de la marque Vitabio toujours, on a des cool petits chefs, donc on dirait que c'est des petits plats préparés pour nos enfants ou même pour nous, hein, je pense. Donc les enfants vont adorer manger des légumes. Là on a alors c'est quoi ? Jury avec des légumes, risotto de légumes et touche de gruyère de France. Ah bah c'est cool ça, je vais pouvoir faire tester à mon crapouillot. Et cela polenta rouge tomate. Polenta à la tomate et touche de gruyère de France. 2 minutes au micro-ondes. Ah mais ça c'est trop sympa, je savais pas du tout que Vitabio faisait ça. Voilà, des tomates concassées fines. Bon ça va être cool pour faire, je vois qu'il y a des pâtes, donc pour faire une recette avec les pâtes. Parfait, des pâtes de la marque Happy Bio. C'est sympa ça, tortille tout beau tout bon. Oh, vous voyez que mon paquet, que ma boîte est remplie de graines. Ensuite, on a un produit un peu style indien. Ça, j'aime bien les petits produits comme ça de la marque Patax. Patax, donc korma. Des concentrés d'épices pour curry au cumin. Ça a l'air des sortes de dosettes un peu d'épices. Ça, c'est super cool. Ça, j'aime bien avec du riz, des poivrons. C'est top. Il y en a un deuxième du coup en version tikka masala. Donc, parfait. Hein. On a d'autres pâtes aussi. Et là, cette fois-ci, c'est toujours des bio, mais des spaghettis. On a des smoothies Pago. Alors ça, j'avais déjà testé avec mes enfants. On avait pas mal aimé. Il y en avait un, bah celui-là, on l'avait testé. Mangue, lait de coco, piment doux. D'ailleurs, le piment doux, on le sentait quand même pas mal. Hein. Et là, le orange, carotte, mangue et gingembre, ça, on connaît pas celui-ci. Donc, on va pouvoir tester en famille. Les nouveautés de chez Nesty, donc du thé vert saveur pêche blanche bio, donc ça pourquoi pas, oui c'est toujours sympa d'avoir ça dans le frigo. Et je pense qu'après on a un cidre, alors ça c'est vrai qu'on en reçoit souvent quand même des cidres etc. Alors quand c'est pas des bières c'est des cidres de la marque Loïc Raison, brut intense, donc ça c'est cool pour ceux qui boivent de l'alcool, ce qui n'est pas mon cas. Donc ça va aller dans les stocks pour quand on a des invités ou pour offrir ou quand on est invité quelque part, voilà. C'est plus pour ça, mais le reste c'est cool, ouais c'est une bonne dégustabox, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Comme d'habitude je vous mets 5€ de réduction, un petit code promo en barre d'infos et puis j'essaierai de le remettre ici si j'y pense. Mais honnêtement, plutôt conquise par tout ce qu'on a eu parce qu'il y a pour les enfants, pour les repas, pour cuisiner, il y a pas mal de choses à faire. Et si je fais une petite recette avec un de ces ingrédients, bah, je vous vloguerai ça. Pour compléter notre dégustabox, on vient de recevoir ça. Vous pouvez avoir aussi ce choix-là au niveau des Nesty Bio à la fruits des bois, hibiscus et... J'ai reçu aussi un autre paquet de graines de chef à saupoudrer. Et là, cette fois-ci, c'est à base de figues, raisins et noix. Celui-là, je pense que ça va être mon préféré des trois. Je vous montre les trois choix différents. Donc... Bon, aujourd'hui, clairement, j'ai un coup de mou. Je vous explique même pas. Coup de mou. Mais bon, ça va, je vais avoir la pêche. Hein, Déjà quand je vois ma tête ça me déprime encore plus. Du coup je pense que ce vlog sera le dernier weekly vlog pour l'instant, pour quelques temps, puisque je vois que ça vous plaît plus trop, je vois que ça intéresse certaines mais pas beaucoup. Sur 36 000 abonnés ça n'intéresse pas vraiment 36 000 personnes hein. Ce que je sais c'est normal, mais là honnêtement avoir 1000 vues pour un vlog, je vais pas dire que c'est pas bien, hein. Je le fais pas pour les vues, mais honnêtement, un peu aussi, parce que c'est vrai que quand on se dit qu'on a 36 000 abonnés et qu'on a que 1000 vues, bah, ça déprime, puisqu'il y a des personnes qui ont 5000 abonnés et qui ont 3000 vues. Donc voilà, je me dis que moi, je sais pas, ça doit pas vous intéresser, donc je pense que c'est le dernier vlog. Bon bah, à peine acheté, j'ai testé le latte macchiato, là, c'est ma petite pause gourmande du moment, là, ça va mon petit réconfort du jour.
Bon, aujourd'hui, vendredi, on va faire une petite balade pour aller chercher mon fils à la halte garderie. Toujours avec ma petite poussette là, que j'adore. Elle est vraiment top, top, top là. Muni, je vous mets à chaque fois le lien dans la barre d'infos si ça vous dit, mais elle est trop, trop, trop agréable à utiliser pour se balader. Surtout avec ce super beau temps. Bon, bah, pas grand chose dans la boîte aux lettres aujourd'hui, hein. Bon, belle météo aujourd'hui en tout cas. J'espère que vous, de votre côté, tout se passe bien. En ce vendredi, j'ai un petit peu plus la pêche. On verra si ça dure. J'ai récupéré mon crapaud, mon beau gosse. Et j'ai eu le droit à un petit cadeau pour la fête des mères. Et oui, ça commence, les petits cadeaux, fais-moi. Trop bien. Merci, Nanou. Bon, bah en ce vendredi, mon moral va un petit peu mieux comme je vous disais. Je sais pas si je continuerai les vlogs, peut-être un par mois, hein, des weekly vlogs, peut-être en faire moins. Je vais pas rester catégorique parce que vous êtes nombreuses quand même à adorer mes weekly vlogs. Donc bon, ça me fait toujours plaisir de voir vos petits commentaires. Là, il est 14h30, je crois, ou 15h. Petite latte macchiato, finalement c'est très bon le latte macchiato, avec ma petite barre de céréales. Et je voulais vous montrer le petit cadeau d'anniversaire, non pas du tout. Le petit cadeau de fête des mères que mon mari m'a acheté parce qu'il a vu que j'avais adoré. Dans mon dernier haul Primark, je vous avais présenté un petit rouge à lèvres comme ça, Kiko, de la collection Ocean Feel. Et c'est ceux qui sont tout tout pailletés. J'essaierai de vous mettre un close-up, mais du coup il m'a acheté les deux teintes qui me manquaient parce qu'il n'y en a que trois. Moi j'avais acheté la 03 et il m'a acheté la 01 et la 02. Donc voilà, ils sont trop 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 beaux. Un qui est dans les tons un petit peu violet, rose, et l'autre qui est dans les tons rose et un peu corail. Voilà. Et celui-là que j'avais déjà, c'est un rose rouge un petit peu. Donc voilà. Je suis trop ravie mon chéri et trop adorable. Je vais faire après, tout à l'heure j'ai fait le ménage, j'ai essayé de donner le biberon à monsieur mais il ne veut pas. Après ma pause, je pense que je vais changer mes draps, enfin j'ai pas mal de petites choses à faire dans la maison. Bah oui doudou, et monsieur veut pas boire son biberon, c'est facile. Hein, pourquoi tu veux pas boire ton biberon? Pourquoi? Je vais vous montrer son petit t-shirt, c'est trop mignon. Regardez, petit t-shirt Kaby là qui était à Oran à l'époque. I love mom and dad and chocolate too. Oui, bah on est d'accord. Hein, maman aussi, elle adore le chocolat. Hein, monsieur Roton? Monsieur Roton? Et puis le petit pantalon, c'est ma petite Uriel de la chaîne H Cosmétique qui lui a offert avec un autre haut. Mais l'autre haut, il est au sale, donc voilà. Il est très très sympa ce petit jean. Qui n'est pas jean, hein, c'est une matière vraiment sympa pour les enfants. Tu dis au revoir? Salut! Salut! Coucou, on est samedi! Je vous ai tourné ce petit make-up hein, dans une prochaine vidéo. Je voulais du coup vous montrer de plus près mes deux rouges à lèvres là. Ils sont tellement beaux. Ce samedi, quoi de prévu? Bah pas grand chose hein, je vous avouerai, parce que la météo est assez variable, il pleut, il fait un petit peu de soleil. Donc le 01, il est comme ça, mais regardez-moi ces merveilles. Et je vais vous montrer le 02 en même temps, comme ça vous aurez un gros plan sur les deux, sur ces merveilles. Et le troisième, vous l'avez vu dans ma vidéo, Primark. Oh là là, regardez comme ils sont tellement beaux! Je suis juste fan hein, de leur nouveau rouge à lèvres là. Hein. Ceux-là, je trouve que c'est vraiment une tuerie. J'en ai porté un cette semaine, bah, celui-là que j'avais déjà acheté en fait. Et je trouve que la tenue est vraiment bonne. L'effet sur les lèvres est assez naturel. Enfin, on va dire, on voit que c'est un rouge à lèvres. Il y a les paillettes, le côté un peu métallisé comme ça qui est très très beau. Mais il a une bonne tenue pour un rouge à lèvres raisin, je trouve, et il est hyper agréable en fait, parce que là par exemple c'est un rouge à lèvres lipstick un peu voilà métallisé, mais on sent qu'on a quelque chose sur les lèvres, c'est un peu collant. Là vraiment pas collant, hyper agréable, ne file pas non plus n'importe comment, il s'estompe assez bien. J'ai été plutôt conquise hein. Du coup, programme du jour, bah, pas grand chose, garder mes enfants. Mon mari cet après-midi doit aller avec sa maman, il a des petits trucs à faire avec sa maman, donc bah, je vais être toute seule avec les petits cet après-midi. Et je voulais aller faire un petit tour à Ziman parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait des superbes trucs hein, à Ziman, des petits vêtements sympas et tout, donc je voulais aller les jeter, mais je sais pas si je pourrais. Donc bah sinon, ça va être... Ah oui, si, je vais essayer de vous tourner une vidéo vlog maîtresse.
je range mon bureau. Parce que là, en fait, j'ai ressorti tous mes cartons de livres d'école, tout ce que j'ai ramené de ma classe, même s'il en reste encore dans ma classe, mais je vais aller les chercher au mois de juin. J'ai ressorti tout, je les ai remontés dans mon bureau, là, donc derrière vous, là. Et il y a du boulot, quoi. Donc, je me suis dit que j'allais essayer de filmer ça avec vous, une sorte de vlog un peu rangement de mon bureau, organisation au niveau de tout ce qui est maîtresse. Donc si je l'ai fait, bah, vous l'aurez sûrement très prochainement en ligne ou vous l'avez déjà eu en ligne. Si je ne l'ai pas encore fait, bah, ça ne serait tardé. Hein, mais c'est dans les projets. Vu que vous êtes ravis d'avoir des vidéos maîtresses, ça va revenir. Alors d'une autre façon, et puis ça va revenir aussi après dans ma classe, si j'ai une classe, on verra comment ça se passe après. Oh mon dieu, on est dimanche aujourd'hui et je vous retrouve avec un petit masque de chez Sephora pour les cheveux là, qui est pour la nuit logiquement. Là je viens de le poser, je me suis dit que je vais laisser ça pendant une heure ou deux, après j'irai me laver mes petits cheveux. Alors vous voyez là, je vous l'avais dit la dernière fois dans une vidéo, je crois, produit terminé, je trouve que ces Charlotte sont vraiment trop petites. D'ailleurs même les masques, il n'y en a pas une grosse quantité pour mes cheveux par exemple, pourtant qu'ils sont coupés. Je trouve qu'il n'y a pas assez de produits, c'est que mon avis. Après ça sent bon et tout, on verra bien si c'est un peu efficace, si je laisse 2 heures ou 3 heures. Aujourd'hui c'est la fête des mères et j'ai eu une jolie création par ma fille, une jolie création aussi par mon fils, enfin plein de petites choses. J'arrive poupette, attends. J'arrive. Ça par mon fils avec une petite photo de lui trop mignonne. Et une jolie boîte, je vous montre ça. Regardez, j'ai déjà mis mes petits trucs dessus. Logiquement, il y a le petit couvert qu'elle a customisé. Elle a fait ça à la garderie. C'est trop bien, non? C'est trop, trop mignon. Et à l'école, elle a fait le petit pot comme ça. Un petit choukinou. Ça, je le faisais avec mes élèves sur des tasses aussi. Je trouve ça sympa. Et à l'intérieur de la petite boîte, là, customisée, j'ai mis mes nouveaux Glitter and Glow Liquid Eyeshadow que j'ai reçu hier. Non, je voulais pas montrer parce que je vous ai fait une vidéo où je vous en parle. Une vidéo bon plan avec... du coup, je vous présente mes 3 produits que j'ai commandés sur Look Fantastic. Et sur le site, en passant par le site Poulpeo pour avoir du cashback. Du coup, ma commande, ça m'a récupéré 3,80€ dans mon Poulpeo. Je vous mets mon lien de parrainage si ça vous dit, si vous avez pas vu ma vidéo bon plan. Puisque quand vous vous inscrivez, au lieu d'avoir 3€ directement dans votre cashback, vous avez 5€ grâce à mon lien. Donc c'est toujours ça de prix. Et là du coup j'ai mis ça là-dedans. Et j'ai mis les 2 rouges à lèvres Kiko que mon mari m'a offert. Je trouve ça trop cute comme petite boîte. Trop trop cute. Et puis j'avais mis aussi un produit que j'ai eu dans mon swap que j'ai ouvert hier. Mais je ne sais pas si la vidéo sera avant ou après. Donc pour pas trop vous spoiler, je ne vous montre pas cette petite merveille que j'ai eu dans mon swap. Donc voilà, bon, on va laisser poser ça. Je ne sais pas si je vous retrouverai après. Mais en tout cas après ça va être... Là je finis de laver les cheveux de ma fille. De la laver, hein, mais de faire ses jolies boucles, etc., etc. En attendant, je laisse poser ça. Après, moi, je vais aller aussi me faire un petit chouchoutage sous la douche. Donc, c'est parti. J'espère que vous passez une belle fête des mères si vous êtes maman. Et sinon, j'espère que vous êtes auprès de votre maman si vous n'êtes pas encore maman, mais que vous avez toujours votre maman. J'espère que vous passez de bons moments. Moi, ma maman, elle est loin, malheureusement, mais j'ai pensé à elle. Je vais envoyer des petits messages, etc. Et elle aura son cadeau dans la semaine. Elle le recevra directement par la poste, puisqu'elle habite assez loin. J'ai hâte qu'elle vienne me voir. Vraiment, j'ai hâte. Hello, hello! J'espère que vous allez bien. On est quel jour? Les mardis aujourd'hui. J'ai eu le temps de me maquiller un petit peu, puisque réveillée très tôt ce matin par Oran, qui va beaucoup mieux. Ah, la gastro, je pense qu'elle est passée. Il va beaucoup, beaucoup mieux. Donc, j'ai eu le temps de me préparer, puisque mon petit crapouillot s'est réveillé tôt aussi. Mais là, il fait une petite sieste. J'ai utilisé aujourd'hui, d'ailleurs, je sais pas si vous verrez les petits Glitter and Glow Eyeshadow de chez Stila. Je vous les avais présentés dans ma vidéo bon plan dont je vous parlais de ma commande Look Fantastic grâce à Poulpeo. Donc je vous remettrai ici si ça vous dit d'aller voir les 3 petites choses que j'avais achetées sur Look Fantastic. Et du coup j'ai utilisé honnêtement, je m'attendais à mieux, mais pour une première impression, c'est pas mal non plus. Donc à voir. Je vais utiliser les autres, il y a des belles couleurs. Je vous avais mis des swatchs sur Insta. D'ailleurs, je vais vérifier si je les ai laissés dans la partie make-up. Enfin, comme ça, si vous voulez aller voir les swatchs, c'est dans la partie make-up d'Insta. Je voulais vous dire, samedi, j'ai complètement oublié de vous montrer, mais j'avais un bon de 15€ chez Toys R Us. Du coup, j'y suis allée parce qu'il allait se périmer et je ne vais pas le laisser périmer. J'ai acheté un nouveau jeu de la marque ABBA. Oui, je crois que notre collection là est vraiment très grande. Du coup là c'est escargot pré-parté, c'est une petite course d'escargot avec ça fait travailler les couleurs, ça fait travailler les formes géométriques puisque chaque escargot a une petite forme géométrique et du coup c'est un plateau en 3D puisque vous jouez aussi avec la boîte qui est en carton et les escargots sont aimantés, c'est vraiment sympa.
Alors après c'est un petit peu dur pour mon fils, ils disent à partir de 5 ans effectivement, parce que même ma fille elle a un petit peu du mal, elle connaît les couleurs et les formes, c'est pas ça, mais comprendre le principe de la course etc, c'est pas ultra facile pour elle, mais elle y arrive, donc c'est plutôt cool. On a joué ça samedi après-midi je pense, je crois, ouais, ou dimanche, je sais plus, dimanche je crois qu'on a joué à ça. Et alors j'ai repéré un autre jeu de la marque ABBA, il va falloir que j'achète, ou si je le trouve en brocante, même si ça m'étonnerait. C'est un jeu avec des voitures de course. J'essaierai de... Attends, Nanou. J'essaierai de vous mettre une image là, mais il avait l'air trop bien. Il coûtait 15,99€, donc pas trop cher. Et celui-ci, comme c'était une boîte métallique, il coûtait 19,99€. Mais je l'ai payé que 4,99€, puisque c'était vraiment 15€. Donc trop contente de cette petite trouvaille. J'ai reçu hier soir un colis, oui, à 20h. Mon mari me dit, tiens, on a un colis dans la boîte aux lettres. Alors j'y suis allée dans la journée avec mon fils. Mais je sais pas, le colis il a dû arriver dans l'après-midi, ça vient d'Angleterre et je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. Regardez-moi cette petite merveille, c'est une nouvelle bougie dans ma collection de bougies. Elle est trop belle, c'est de la marque Imperial Candle, c'est une marque anglaise, si je ne me trompe pas. C'est le Rainbow Sorbet. Je vous avoue que sur le site j'avais choisi des odeurs un peu plus sucrées, style coconut et tout ça, plus estival. Mais celle-ci est pas mal du tout, elle sent les fruits, clairement c'est une bougie fruitée. Et c'est ce que je n'ai absolument pas dans ma collection de bougies. C'est une bougie où il y a une bague à l'intérieur, donc c'est une bougie avec un petit bijou, un petit cadeau. Donc j'ai hâte de la faire brûler, honnêtement ça sent, je vous remettrai les notes ici de la bougie parce que je m'en rappelle plus. Mais ça sent le citron, l'ananas, en premier c'est vraiment citron, ananas. Il y a une petite touche de vanille mais vraiment loin. C'est vraiment fruité, à souhait, donc celle qui aime les bougies fruitées, ça va vous plaire. J'ai hâte de voir le petit bijou, donc je vais commencer à la faire brûler tout à l'heure, je pense. Je vais faire une petite photo et je vous la ferai brûler. Et si vous êtes intéressé sur le site donc Imperial Candle, vous avez 10% de réduction grâce à mon code Karine10, hein, je vous le noterai ici en barre d'infos si ça vous intéresse. Ça peut valoir le coup, j'hésite à m'en recommander d'autres parce qu'honnêtement, je les connais pas trop et... J'aimerais bien en tester une sucrée du coup, puisque c'est vraiment les odeurs que je préfère. Ou une odeur style coton, vous voyez, parce que c'est aussi les odeurs que je préfère. Mais j'ai hâte de la faire brûler, donc je vais faire ça, je pense, cet après-midi. En mode cocooning, aujourd'hui j'ai la pêche. Vous aurez vu dans ce vlog les aléas du moral de Karine, mon dieu. Qu'est-ce que vous allez penser de moi, quoi. C'est assez rare que j'ai des baisses de morale, mais ça m'arrive, honnêtement ça m'arrive. Surtout quand je reste beaucoup à la maison, à garder mes enfants, etc. Ben, j'ai tendance à avoir des coups de mou comme ça, quand je vois peu de monde. Je sais pas si ça vous fait ça, si vous êtes maman au foyer, n'hésitez pas à me dire. Ça me reboussera peut-être de savoir que je suis pas la seule à avoir ce genre de réaction. Maman, oui mon chéri. Tu veux jouer à quoi? Aux escargots. Escargot. Tu chantes la chanson? Petit escargot. La maisonnette. Sa maisonnette. Mais c'est quand il pleut. Il. Oui, mâche les mots. Tra la 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 la. C'est fini. Bon allez, on va jouer. Regardez, c'est ça la vie d'une maman. C'est avoir son petit crapouillot collé. Heureusement qu'il y a l'écharpe de portage. Je ne sais pas si vous connaissez, mais vraiment c'est un bonheur quand on a des enfants un petit peu collants. Et mon petit crapouillot, lui, il est en train de manger ses petits concombres. Ah, Doudou, sont bons les concombres? Oui. Oui. Et j'ai reçu ma petite commande SpongeBob. Je vous avais montré le gros bon plan. Je pense que c'est encore actuel au moment où je vous parle. Le site est en train de, entre guillemets, fermer, enfin se déloger. J'ai pas tout compris, mais en tout cas, ils ont mis moins 50% sur tout leur site internet. Bon, il n'y a pas 50 milliards de choses sur SpongeBob, mais deux petites choses me faisaient envie. De grosses choses même. La Moroccan Palette, je vous la montrerai après de plus près, mais elle est trop trop belle et ça faisait très longtemps que j'avais mis sur ma wishlist et là à moins 50% ça valait le coup. La Caftan Palette, packaging juste top et l'intérieur vous verrez c'est trop beau. Et du coup j'ai craqué pour un de leurs rouges à lèvres liquide matte qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, la teinte 6. Donc bah, je vais tester, il paraît qu'ils sont assez asséchants, mais avec un petit, c'est Val Beauty & Co qui m'a dit ça, donc si tu passes par ici, merci du conseil. Elle m'a dit qu'avec un petit lip topper ou un petit gloss par-dessus, ça sera très bien, donc bon. Je testerai, mais je suis contente, à moins 50%, ça va être cool, je l'ai pour 30€, au lieu de 60, un truc comme ça, bah, bon bref. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, c'est le code DESTOCK50,
Et de toute façon, il est affiché en gros sur le site, hein, quand vous tombez sur le site, mais ça vaut le coup, je trouve, si vous êtes intéressé par ce genre de palette. Et après, je vous ferai un petit gros zoom comme mes crapouillots. Mon crapouillot sera au dodo, et puis lui, quand je l'aurai posé, hein. Parce que bon... Je vous montre de plus près le rouge à lèvres que j'ai pris, donc la teinte 6, qui est un joli nude marronné, un peu comme ça. J'essaierai de le porter dans une prochaine vidéo. Là, les deux palettes, elles sont juste magnifiques. Je les voyais pas si grandes et si belles. La Moroccan palette, qui est juste magnifique, avec beaucoup de nude. Ces petits bleus là, un peu pétants. Il y a quand même un petit peu de rose là, avec celui-ci qui est un peu rosé là. Ils sont trop beaux. J'adore, 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 j'ai hâte de mettre mes lots dedans. J'essaierai de vous faire les swatchs sur Instagram comme je vous l'ai dit. Et la caftan qui est beaucoup plus colorée mais qui est magnifique aussi. Je crois qu'elles se complètent les deux, donc vraiment très très jolie. Bon allez, mes deux crapouillots dorment. Je vais tenter d'avancer dans mon memory planner. On se retrouve dans la suite de ce vlog. On est mercredi et aujourd'hui c'est ma fille qui est malade, qui a vomi cette nuit. Oui, oui. C'est la tournée de la gastro, hein. Espérons, croiser les doigts avec moi, que personne d'autre l'attrapera après, ni moi, ni mon crapouillot. Vraiment, j'espère, j'espère, j'espère du fond du cœur. Elle a vomi deux fois, et pour une fois, notre crapouillot, donc Casey a dormi 8 heures d'affilée, 8 heures et demie d'affilée. Ouh, alléluia. Il a fait sa première vraie nuit, parce qu'il nous avait déjà fait 6 heures d'affilée, mais là, 8 heures et demie d'affilée, c'est juste trop trop bien. J'ai pu me reposer, ça m'a fait tellement de bien. D'ailleurs, je pensais que c'était mon chéri qui s'était réveillé dans la nuit et tout, puis en fait pas du tout, il m'a dit non, il a fait sa nuit et tout. Trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. On va essayer de positiver dans ce monde de brut. Aujourd'hui, je sais pas si j'aurai des petites choses à vous montrer, mais en tout cas, ce vlog va se clôturer, je pense, ce soir. J'espère que ça vous aura plu, hein, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à me dire tout ça en commentaire, à participer, à commenter au fur et à mesure de la vidéo, je trouve ça trop sympa. Et puis ben, moi, il faut que j'aille à la poste parce que ben, j'ai un colis soi-disant qui m'attendrait, mais j'ai pas eu d'avis de passage, donc je ne sais pas. C'est la marque qui m'a envoyé un colis qui m'a dit ben, il est à la poste depuis telle date. Donc, on verra s'il y a la poste ou pas, ce sera la surprise. Hein. Merci le facteur de ne pas avoir mis de mots, mais c'est bizarre quand même, d'habitude ils sont assez sérieux ici. Donc. Et je dois ramener des livres à la médiathèque, mais sachant que ma fille est malade, on va y aller vraiment rapidement, on va pas trop trop s'éterniser, on va éviter toute catastrophe. Demain, je vous prépare du coup le fameux vlog rangement de mon bureau, puisque demain est un jour férié, du coup chérie sera là, donc je vais pouvoir me consacrer à ma pièce et arranger tout mon bazar et mes trucs d'école et tout ça, donc j'ai hâte, en espérant ne pas être malade. Hello, on est jeudi aujourd'hui, jour férié, vous aurez cette vidéo dimanche. Hier j'ai complètement oublié de clôturer ce vlog parce qu'en fait j'étais patraque toute l'après-midi, j'ai quasi dormi une heure. C'est très rare chez moi de faire la sieste, hein, je vous préviens tout de suite, c'est hyper rare. Donc j'étais patraque, je pense que la gastro est passée par ici, même si là ça va un peu mieux. Du coup, bah, j'ai pas clôturé ce vlog. Hier soir je me suis fait un petit bain, j'ai testé mes boules de bain de chez My Jolly Candle et du premier coup, j'ai eu le petit bijou, je vous ai montré ça sur Insta. C'était dans la petite boîte comme ceci, c'était bien protégé, ça n'a pas pris du tout l'eau. Et c'est un sublime bracelet, il est vraiment trop beau. J'ai essayé de vous le montrer correctement, mais il est vraiment très joli. Et j'ai regardé, il a une valeur de 60 euros. Il est vraiment très beau, donc je vais essayer de le mettre tout à l'heure. Mais je suis ravie du coup du premier coup, j'ai eu mon petit cadeau. Pour les filles, Christine et Laura, pour vous prouver que mon mari a beaucoup aimé ces petits chocolats. Voilà la preuve. Il n'y a plus rien. Alors oui, il a enlevé le plastique, il l'a mis à recycler. Mais il l'a complètement fini. Il a tout mangé. J'ai dû en manger deux dedans. Il me dit, bah tu leur diras merci, c'était très bon. Donc voilà, vous avez le petit message de mon mari. Aujourd'hui, je me suis maquillée avec la palette que j'ai reçue par mon abonné Mylène. Je vous montrerai la petite vidéo unboxing. Je me suis maquillée donc avec la Huda Beauty Gemstone Obsession. Et alors, il n'y a que des irisés à l'intérieur. Je vous la remontre. Il n'y a que des irisés, très colorés, j'aime beaucoup. Mais alors, il faut une autre palette pour compléter, hein, pour faire le creux de paupières, etc. J'ai essayé de faire un truc un petit peu marronné, orangé, violet, rose. Voilà, un petit dégradé de couleurs comme ça, j'avais envie. Je sais pas si ça se verra bien, mais voilà. J'avais envie de la tester. J'ai complété avec la topaze de Huda Beauty, encore une fois, pour faire les creux de paupières, utiliser des mattes. J'ai toujours pas fait les swatchs de ça. Mes deux loulous sont avec Papounet chez mamie. Et du coup là j'ai mon troisième crapouillot qui est à côté là. Et je vais, comme je vous avais promis, faire ma vidéo rangement. Parce que là mon bureau c'est du
grand n'importe quoi. Donc, je vais entamer cette vidéo tout de suite. Et puis, on se retrouve dans un prochain vlog. Oui, je vous dis maintenant ce qu'il en est. Je ferai sûrement des weekly vlogs une fois par mois. Donc là, pour l'instant, c'est fini. Le prochain, ce sera un weekly vlog quand je vais retourner à Paris. Comme ça, vous aurez un peu mon papa dedans. Vous aurez mon retour dans ma classe, puisque je vais retourner dans ma classe, récupérer encore des choses qui me manquent, que j'ai pas eu le temps encore de récupérer. Donc je me dis que je ferai un weekly vlog à ce moment-là, avec des choses un peu plus intéressantes pour vous, que ce soit mon papa ou le retour dans ma classe, etc. Donc, ça peut peut-être vous plaire. En attendant, si vous êtes motivé par ce prochain weekly vlog, n'hésitez pas à liker celui-ci, à vous abonner si c'est pas encore le cas. Mais oui, sinon pour l'instant c'est fini, j'en ferai pas toutes les semaines. Cette semaine vous avez dû voir mon moral en dents de scie là, c'était coup de mou, ça allait mieux, coup de mou, enfin maladie, tout ça, donc c'est voilà, c'est la vraie vie en même temps, j'ai envie de vous dire, mais autant que ça, ça faisait longtemps quand même que j'avais pas eu de... Donc bref, j'espère que ça va aller mieux, puis on se retrouvera dans un prochain weekly vlog, pas tout de suite comme je vous ai dit, plutôt fin juin. Je vous fais d'énormes bisous, salut.